Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser un petit short en coton au crochet. Donc voilà, là j'ai adapté le modèle à ma morphologie, donc j'ai fait une taille haute, il est assez court. Je vais vous donner toutes les explications pour réaliser la taille que vous voulez. Donc là c'est un modèle très simple, je vous conseille de venir ajouter un petit cordon si vous souhaitez l'ajuster vraiment au niveau de la taille. C'est un modèle qui est vraiment assez ample, hein. Là c'est un taille S, mais en vérité si vous voulez quelque chose de plus près du corps, ce serait plutôt un taille L pour être honnête avec vous. Moi c'est comme ça que j'aime porter mes shorts. Je vous invite également à venir découvrir mes réseaux sociaux avant de commencer ce petit tutoriel. Donc voilà, si vous ne connaissez pas mon site lecrochetdeplume.com, venez y faire un tour. Il y a pas mal de fiches de réalisation et de modèles qui ne sont pas présents sur YouTube. J'essaye vraiment de l'achalander de jour en jour. Donc n'hésitez pas à me dire plein d'idées encore en commentaire sous cette vidéo. Et si vous souhaitez me rejoindre sur Facebook, Instagram ou encore TikTok, sachez que je suis très présente sur Instagram, notamment si vous avez des questions à me poser ou des points, voilà, peu importe. Tant que ça concerne le crochet, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me parler avec grand plaisir et à m'envoyer par mail si vous n'avez pas de réseaux sociaux vos petites créations, ça me fait toujours super plaisir. Au niveau du matériel, j'ai utilisé de la laine soft bambou. Il m'aura fallu 4 pelotes pour une taille S. Je vous conseille fortement pour les tailles XS et S, donc de prévoir 4 pelotes si vous prenez la même laine que moi. Et pour chaque taille supplémentaire, d'ajouter une pelote. Donc une pelote fait 50 grammes pour environ 115 mètres. Donc voilà, je vous montre le modèle. C'est vraiment un fil de qualité que j'ai eu chez Hobby. Et j'ai utilisé un crochet taille 3,5. Au niveau de la taille, donc ça va être super facile. On va commencer donc par réaliser la bande au niveau du haut. Je vais vous donner deux options, donc soit réaliser une taille haute, soit réaliser une taille normale. Donc on va déjà commencer par la hauteur de la maille chaînette. Donc si vous souhaitez réaliser une taille haute en taille XS, on va partir sur une maille chaînette de 7 cm. Pour une taille S, 8 cm. Pour une taille M, 9 cm pour une taille L également. Pour une taille XL et XXL, on va également partir sur une maille chaînette de 10 cm. Si vous souhaitez réaliser une taille normale, pour une taille XS et une taille S, on va partir sur 2 cm. Si vous souhaitez réaliser une taille L ou XL, on va partir sur 3 cm. Je vais juste fermer ma fenêtre, je suis vraiment désolée. Voilà, fenêtre fermée. Donc pour une taille XL ou XXL, on va réaliser une maille chaînette de 4 cm. Au niveau de la largeur, qui va être en fait la longueur ou le nombre de rangs qu'on va venir réaliser suite à notre maille chaînette de base. De toute façon, on voit ça juste après en image. Pour une taille XS, vous allez devoir crocheter des rangs de demi-bride sur 70 cm. Une taille S sur 72 cm. Une taille M sur 74 cm, une taille L sur 76 cm, une taille XL sur 78 cm et une taille XXL sur 80 cm. Je vais venir réaliser une maille chaînette qui mesure environ 9 cm. Donc, je vais faire une boucle et je vais déjà faire 16 mailles en l'air et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, moi là, je suis en train de réaliser un taille S. Donc, je veux une taille haute qui mesure 8 cm. Sauf que comme je vais venir travailler en demi-bride au point souple, je sais que je vais perdre au moins 50 mm à 1 cm. Donc, je vise une maille chaînette de 9 cm, sachant que quand je vais crocheter, je vais retomber sur mes 8 cm. Donc voilà, ça va dépendre de votre façon de crocheter aussi à vous également. Du coup, là, je suis à 8,5, voire 8. Donc je vais faire 16, 17 et 18. Voilà. Donc là, je suis à 9 cm. Maintenant, ça va être super facile. On ne va travailler qu'en demi-bride. Du coup, je viens faire
une maille en l'air, je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je viens faire ma première demi-bride. Donc et là, on fait un rang complet de demi-brides. On tourne, on fait une maille en l'air, un jeté et on repart donc sur des rangs complets de demi-brides sans augmentation ni diminution. Et à chaque fois, on ne piquera que dans le brin arrière, comme ceci. On ne va pas prendre les deux brins, on piquera sur toute notre bordure en prenant à chaque fois que le brin arrière. On va faire que des rangs de demi-brides comme ceci jusqu'à avoir en fait la taille que l'on souhaite pour venir former la partie haute de notre short. Une maille en l'air, on tourne et on refait exactement la même chose. Donc là, on va le faire vraiment jusqu'à obtenir la largeur que l'on souhaite. On va juste être, pour être sûr, débuter ce nouveau rang ensemble. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, un jeté et toujours, je viens piquer que dans le brin arrière. Donc moi, je répète plusieurs rangs de 18 demi-brides. Je vous laisse continuer et on se retrouve juste après. Donc là, moi, pour la taille que je souhaite faire, j'ai pas du tout étiré ma laine, sachant que c'est un point souple. Hein. Je me suis arrêtée à 72 cm. J'ai donc réalisé. Hop, il faut juste que vous ayez un nombre pair de rangs, par contre. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Je rigole parce que voilà, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 rangs. Donc voilà, vous vous faites en fonction de la taille que vous voulez. Là, c'est juste pour petite indication personnelle. Et maintenant, on va venir donc fermer la partie donc cintrée de notre short. Et donc voilà, on est parti sur la fermeture. J'ai ma petite Mina qui se tâte. Est-ce que le canapé est assez confortable ou est-ce qu'elle préfère le petit rayon de soleil? Seul l'avenir nous le dira. Hop. Donc, on est sur un nombre pair. Hop là, on va faire en sorte d'avoir donc un nombre pair afin de venir continuer notre motif, vous voyez. Donc là, je vais le fermer sur la partie de l'endroit et non de l'envers. Après, si vous voulez faire une autre façon, vous faites comme vous voulez, hein. Ça c'est à vous de voir. Donc je vais commencer par faire une maille en l'air. Puis, je vais venir en fait réaliser des mailles coulées en piquant. Donc là, sur ce bord-là, sur donc la bordure où j'ai terminé mon dernier rang, je vais prendre à chaque fois le brin arrière. Et là, en revanche, ici, je vais venir prendre les deux brins en faisant très très attention à ne pas louper ma première maille. Si vous avez du mal avec ça, vous revenez en arrière en fait. Vous voyez? Alors, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc là, hop, je suis ici. Et là, sur donc de l'autre côté, je vais prendre les deux brins. Et je fais une maille coulée. Brin arrière sur mon dernier rang, les deux brins sur ma maille chaînette de base. Brin arrière sur mon dernier rang, les deux brins sur ma chaînette de base. Brin arrière, les deux brins. 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 Et on termine donc. Brin arrière et les deux brins. Voilà. Hop. Vous voyez? Du coup, là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir directement faire la partie du bas. Donc, pour ça, c'est super facile. Moi, j'ai 82 rangs. On va refaire un petit point sur le papier. Donc voilà. Moi, j'ai 82 rangs. Là, on va prendre l'exemple. Donc, pour la partie du bas, on va compter le nombre de rangs qu'on a. J'en ai 82. Donc, je fais 82 x 2. Ça me fait 164. Si vous en avez 80, vous faites 80 x 2, 160. Si vous en avez 100, vous faites 100 x 2, ça fait 200. Et en fait, juste comme ça, ça va vous permettre de savoir combien de mailles vous devez venir travailler. Donc, pourquoi x2? Hop. Parce qu'en fait, dans chaque rang, on va venir travailler deux demi-brides. Je vais en profiter pour cacher mon fil en même temps. Donc là, ce que je vais faire moi maintenant pour débuter chaque nouveau rang. Je vais venir faire directement. Donc là, vous voyez, à chaque fois,
comment on a deux rangs. 1, 2. 1, 2. Hop. Je vais venir piquer donc directement ici, dans un rang. Et dans ce rang, je vais venir faire donc directement une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Ça, ça compte comme ma première demi-bride. Et exactement au même endroit, je vais venir faire une deuxième demi-bride. En fait, on va venir travailler à chaque fois deux brides, deux demi-brides, pardon, dans chaque rang. Je vais juste prendre un marqueur. Donc voilà, je prends mon petit marqueur. Je vais venir marquer, là, quand j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, je vais venir marquer la maille en l'air. Et c'est ici que je viendrai fermer mon rang. Hop. Et de nouveau, donc, dans le rang suivant. Donc là, j'ai fait deux demi-brides dans ce rang. Dans le rang d'à côté, ici, je vais piquer sur ma bordure. Et je vais venir faire, pareil, deux demi-brides. Juste piquer comme ceci. Une et deux. Voilà, là je passe au rang suivant. Donc ici, 1, 2. Donc ici, je viens faire deux demi-brides au même endroit. Donc une et deux. Dans le rang d'à côté, ici, pareil, je pique et je viens faire deux demi-brides. Une et deux. De nouveau, ici, un rang, deux rangs. Donc, dans le rang ici, je vais venir faire deux demi-brides. Je m'excuse si des fois je dis bride, hein, c'est l'habitude. Mais on est d'accord, on ne travaille qu'en demi-bride là. Hein. Donc, une et deux. Dans le rang d'à côté, ici, deux demi-brides. Donc, une et deux. Et on va faire ça sur tout le rang. Et je vous propose qu'on se retrouve ici. Donc, voilà, j'ai terminé mon rang. J'enlève mon petit marqueur et je viens faire une maille coulée dans ma maille en l'air. J'avais fait une maille serrée, une maille en l'air pour faire ma première demi-bride. Eh bien, je viens faire ma maille coulée dans cette fameuse maille en l'air. J'ai fermé mon rang et maintenant, je vais sur plusieurs rangs repartir sur des rangs complets de demi-bride. À chaque fois, je commencerai comme ceci. Donc là où j'ai mon fil qui ressort de l'autre côté, je viens faire directement une maille serrée, une maille en l'air. Je mets mon petit marqueur dans ma maille en l'air et je viens réaliser à chaque fois en prenant les deux brins. Vous voyez, hop. Des rangs complets, sans augmentation ni diminution, de demi-brides en prenant à chaque fois les deux brins. Donc voilà, je vous laisse faire autant de rangs que nécessaire et on se retrouve juste après. Au niveau des tailles, donc on va crocheter sur 19 cm pour une taille XS, 20 cm pour une taille S, 21 cm pour une taille M, 22 cm pour une taille L, 23 cm pour une taille XL et 24 cm pour une taille XXL. Vraiment, il est très important de vous référer à la taille en centimètres plutôt que en nombre de rangs ou en fonction de votre crochet et de votre laine. Vraiment, gardez à l'esprit que quand vous faites des vêtements,
Ce sont les centimètres qui comptent. Donc à ce stade, moi pour une taille S, j'ai donc crocheté sur environ 20 cm. Vraiment, je vous invite, surtout si ce short est pour vous, à venir essayer à ce stade comment il vous tombe dessus. Moi, pour être honnête avec vous, j'ai la taille fine, mais j'ai une belle culotte de cheval, même si je sais, il y en a qui vont me dire « Ah, ça se voit pas en vidéo ». En fait, c'est parce que je prends mes prises en sorte que ça ne se voit pas trop. Mais voilà, j'ai la partie de la culotte de cheval qui est bien développée. Du coup, n'hésitez pas à réduire. Plutôt que de faire 19 cm, si vous voyez que vous êtes beaucoup plus menu au niveau des hanches et donc de la culotte de cheval, partez même sur 12 cm. Il faut vraiment garder à l'esprit que quand on crée des vêtements, il faut les adapter à sa silhouette. Parce que si vous faites un short en fonction de ma silhouette, mais qu'on n'a pas la même silhouette, forcément, ça va mal tomber. Donc là, moi, je vous invite, si ce short est pour vous, à venir voir comment il tombe à ce stade sur vous. On va passer à la partie où on va diviser en deux notre ouvrage pour former l'espace des jambes. Donc pour ça, ça va être super facile. De toute façon, on va le faire en image ensemble. Ici, vous vous souvenez, on avait pris le nombre qu'on avait sur notre maille, enfin sur notre bordure initiale au niveau des rangs. On avait 82 rangs, on avait fait x2 et on avait obtenu. Enfin, moi en tout cas, j'ai fait 82 rangs x2 et j'ai obtenu 164. Vous, peu importe, vous avez fait x2 pour obtenir un nombre. Maintenant, on va faire l'inverse. On va diviser par 2. Donc là, je reprends mon chiffre donc de départ, ici, 164. Je le divise par 2, c'est facile. Je retombe sur 82. Et donc, je vais faire en sorte d'avoir d'un côté 82 mailles et de l'autre 82 mailles pour venir former ma séparation. Si j'en avais eu 200, j'aurais divisé par 2 et j'aurais fait 100. Voilà, je pense que vous avez compris le principe maintenant. On va venir se positionner au niveau de nos marqueurs à la moitié plus 1. En gros, moi, ma moitié, c'est 82. Plus 1, donc je vais venir placer un marqueur sur la maille numéro 83. Donc là, voilà où j'en suis. Hop. Je vais mettre un petit marqueur ici pour pas venir perdre ma maille. Et j'ai déjà positionné donc mon marqueur ici sur ma maille numéro 83. Comme ça, en fait, j'ai la moitié. En pliant comme ceci, j'arrive à moitié-moitié. Je ne vais pas recompter avec vous toutes mes mailles, mais en gros, à partir de là, j'ai compté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla, jusqu'à arriver à 83. Donc 82, qui est ma moitié, plus 1. Pour venir positionner mon marqueur. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez divisé vos parties en deux, donc vous avez votre maille ici qui est en suspens pour venir poursuivre et mis un marqueur pile à la moitié de l'ouvrage. On va venir faire une maille chaînette. Donc moi je vais vous montrer comment je fais pour unir et juste après je vous donne donc les mesures pour la maille chaînette. Je vais venir faire 18 mailles en l'air, donc comme ça, je suis là, j'entame pas de nouveaux rangs pour tourner en rond, je vais venir faire directement mes mailles en l'air. Je vais venir mesurer ma maille chaînette. Hop. J'ai une maille chaînette d'environ 9 cm. Vous voyez? Au niveau des mesures, donc pour ma maille chaînette de séparation, toujours en centimètres. Pour une taille XS, on fait 8,5. Pour une taille S, 9, une taille M, 9,5, une taille L, 10, une taille XL, 10,5, une taille XXL, 11 cm. Donc, je reprends ma maille chaînette et je vais venir faire, là où j'ai mis mon marqueur,
une maille coulée. Comme ceci. Et là, ça va être super facile parce qu'en fait, on va repartir sur des rangs de demi-brides. Donc, hop. Je vais venir directement dans cette configuration. Donc, pile là. Donc, pas là où j'ai mon marqueur. Hop là. Vous voyez, là, ici, j'ai mon marqueur. Je viens dans la maille d'à côté. Et je vais faire une maille serrée suivie d'une maille en l'air qui compte comme ma première demi-bride. Et on va repartir sur des demi-brides. Donc je mets mon petit marqueur. Vous allez faire des demi-brides normalement jusqu'à arriver ici. Et on se retrouve à ce niveau-là. Donc là, je viens de réaliser 82 demi-brides. Et j'arrive sur ma maille chaînette. Et comme j'ai fait 18 mailles en l'air, je vais venir faire sur ma maille chaînette 18 demi-brides. Et 18. Maintenant, je vais venir fermer par une maille coulée. Là, comme j'ai fait pour monter mon rang, une maille serrée, une maille en l'air. Donc, je viens fermer dans la maille en l'air en prenant les deux brins. Et du coup, on va repartir vraiment sur la même chose. Vous voyez? Là, en fait, on va faire des tours. Donc, moi, de 82 mailles plus 18. Vous voyez? En gros, là, à chaque fois, je vais venir faire 100 mailles. Et une fois que j'aurai terminé donc le côté de cette jambe-là, je viendrai rattacher mon fil de ce côté au niveau de mon marqueur et je ferai exactement la même chose. Et cette fois-ci, je vais venir crocheter donc de l'autre côté de la maille chaînette. Donc, je vous laisse réaliser vos deux parties et on se retrouve juste après. Et donc, voilà pour le résultat final. Donc, moi, à titre indicatif, j'ai réalisé 10 rangs. Ça, je ne vous ai pas donné de mesure parce que vous allez devoir faire en fonction de vos envies. Donc voilà, moi j'ai fait un modèle pour ma morphologie qui tombait pile poil donc au niveau des hanches, de la culotte de cheval. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une taille bien haute. N'hésitez pas à mettre un petit cordon si une fois que vous le réalisez, vous voyez qu'il y a un peu trop de jeu. Et vous pouvez même venir réaliser une petite combinaison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, si vous avez du mal à le réaliser ou que vous bloquez sur un point, venez me poser toutes vos questions. Je vous propose plutôt donc sur Instagram. Je réponds beaucoup plus rapidement. Sinon, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou en commentaire sous cette vidéo. Et j'espère que quelqu'un de plus rapide vous répondra. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à bientôt.